Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sarah de l'Éternel. Je commence avec 13 minutes de retard. 10 minutes de retard, je crois. Voilà, donc je m'en excuse. Comme vous le constatez, chacun est quand même à la recherche de son petit pain quotidien. Et je viens à peine de sortir. C'est maintenant que je viens de finir. Donc je devais partir normalement, rentrer tranquillement pour faire la vidéo. Mais par respect, par considération pour vous, je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre. J'ai donné un temps. Il fallait que je le respecte. Voilà, il fallait que je le respecte absolument. Donc, toutes mes excuses du retard. Alors, on va inviter des amis. On va essayer d'inviter quelques amis. Accordez-moi encore 2 minutes, s'il vous plaît. On va inviter quelques amis sur le direct avant de commencer. Mais déjà, d'ores et déjà, je tiens à rappeler que, que cette vidéo, elle est un droit de réponse à Sorouk Bafori Guillaume. Voilà, donc c'est un droit de réponse à Sorouk Guillaume parce que je ne me vois pas en train de répondre à du menu frétin. Donc je ne peux pas répondre à des gens que Sorouk envoie, que moi j'appelle des seconds couteaux. C'est-à-dire des gens qui traînent un peu dans les bas-fonds des banlieues de Paris ici, qui traînent un peu, voilà, un peu dans les égouts, qui n'ont ni la capacité intellectuelle, ni toutes les capacités pour mener des débats intellectuels, des débats rationnels, des débats où il faut un déblocage de l'esprit critique, qui n'ont pas ces capacités-là. Donc, je ne peux pas mener un débat avec eux. Et donc, moi, je vais répondre directement à Sorouk Guillaume. Parce que c'est lui qui est le concerné. Et c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de courage qu'il se cache derrière ce second couteau-là. Il se cache un peu derrière ces jeunes gens-là qui traînent un peu partout, qui traînent un peu dans les égouts, dans les banlieues parisiennes, qui ramassent un peu du n'importe quoi. Il se cache un peu derrière eux. Mais c'est à lui que je vais répondre. Alors, de quoi s'agit-il? Le week-end dernier, le COGEP, en accord avec la plateforme La Voix du Peuple, a organisé un meeting à Anono. Et à ce meeting, le ministre Chablé Goudé, président fondateur du COGEP, est intervenu. Un homme cultivé, un homme instruit. Il s'est exprimé, un homme décomplexé, sur certaines questions brûlantes de l'actualité du pays. Et en substance, il a dit que malheureusement, comme les enfants que Soro envoie, ou bien Soro lui-même, comme il a un problème avec lui-même, sa propre personne, certainement il n'a pas compris le sens du propos de Chablé Goudé. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Parce que Chablé Goudé n'est pas demandeur d'une quelconque alliance avec Sorouk Guillaume. C'est Sorouk Guillaume qui a rampé pour aller à La Haye. Chablé Goudé ne l'a pas appelé. Donc, il ne faudrait pas que les gens nous amènent à parler. Parce que pour nous, ce n'est pas nécessaire. Il ne faudrait pas qu'ils nous amènent à parler. Parce que pour nous, là, ce n'est pas nécessaire. Sorouk Guillaume a rampé pour aller demander à Chablé Goudé de le recevoir. Il est demandeur, la déclaration elle est là. À Chablé Goudé de le recevoir parce qu'il était porteur lui-même d'un projet, d'une ambition surdimensionnée qui était celle de l'accession à l'exécutif. Ce qu'ils ont oublié, c'est que nous au COGEP, nous sommes, excusez-moi du thème, sans toutefois me surévaluer ou du moins surévaluer le COGEP, mais nous sommes des intellectuels. Nous sommes des intellectuels. Et donc, lorsqu'on propose quelque chose à notre président, il n'est pas un roi. Il nous le soumet. Et c'est nous, c'est-à-dire c'est la confrontation de nos intelligences, la démocratie elle-même étant, donc, la mère de la contradiction, c'est la confrontation de nos contradictions rationnelles qui nous amène à sortir une décision finale.
Et donc, lorsqu'il est porteur d'un projet, ce projet-là, il n'engage pas le COGEP. Donc, le COGEP est libre de s'exprimer sur un fait, sur un sujet bien défini. Le dire, c'est n'insulter personne. Mais comme je le disais en substance, Charles Blé Goudé, le président, dans sa déclaration, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureusement, des gens comme le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, la quoi de Paris, je ne sais pas là. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que ce sont des choses qui dépassent leur entendement. Parce que, pour comprendre les choses de l'esprit, il faut déjà mettre la réflexion à un certain niveau. Il faut avoir certaines capacités d'analyse. Et cela passe par ce qu'on appelle les béaba des principes, c'est-à-dire les béaba de la méthodologie. Et cela passe quand même par une certaine acquisition des principes basiques. C'est-à-dire, c'est comme un enfant de CP1, on lui apprend A, bos, ordo. Alors, on dit ça comme ça. Et si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre. Et comme eux, ils sont formés au maniement des armes, ils ne peuvent pas comprendre le déblocage de l'esprit critique. Mais je vais les aider à comprendre avant de répondre à Soro Guillaume lui-même. Parce que sous le ou bien quoi là, il est tout insignifiant pour moi. Moi, je ne peux pas lui répondre. Je vais répondre au criminel générationnel. Charles Blé Goudé a dit, dans son discours, il a dit qu'on ne peut pas faire des alliances selon les besoins du moment et les défaire selon les besoins du moment aussi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je n'aime pas Gbagbo Laurent, président Gbagbo Laurent, que je me mets avec Alassane Ouattara pour le faire tomber. Et que demain, comme Ouattara n'a pas respecté le deal, puisque Soro Guillaume lui-même l'a dit qu'il avait un deal avec Ouattara, non? Est-ce que c'est Blé Goudé qui l'a dit? C'est Soro qui l'a dit. Et il a un deal avec Ouattara et que Ouattara ne l'a pas respecté. Mais Blé Goudé lui donne un conseil pour dire ces deals qu'on fait et qu'on défait parce que l'autre n'a pas respecté là. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin parce que c'est ce qui crée les morts en Côte d'Ivoire. Et que ça, ce n'est pas insulter quelqu'un. C'est ce qui crée des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Et le jeune homme, dans sa vidéo, il a dit que le FPI ou le PDCI ou le COGEP sont dans une alliance. Non, on n'est pas dans une alliance. C'est une plateforme. Ça dit que c'est un cadre de réflexion. C'est ce qu'on appelle des accords cadres. Mais je dis que ce jeune homme-là, souvent il faut les accompagner sur le chemin de l'école. Il faut les former. Et ce jeune homme-là, il a besoin d'être formé et d'être informé. Donc moi, je vais le former et je vais l'informer. Peut-être que quand je le vois certainement, peut-être qu'il est peut-être plus âgé que moi, peut-être. Mais en termes de capacité de réflexion, d'analyse, non, il est encore au biberonnisme politique. C'est pour cela que je vais répondre à son chef, qui est Soro Guillaume. Je ne parle pas ici, moi je ne suis pas un cyberactiviste. Non, je suis secrétaire général adjoint du COGEP, chargé de la veille stratégique. Et je suis responsable, premier responsable d'un département, qui est Lakota, qui est le département de Bougadoudou Émile, tué par une rébellion. Donc, le discours du président, il dit donc ces accords qui se font et que le lendemain on doit défaire là, sont toujours à la base des conflits en Côte d'Ivoire. Et donc il faut qu'on s'asseye, qu'on analyse et qu'on dégage des perspectives communes et qu'à partir de là, quelque chose de potable puisse naître. Mais parce que de l'autre côté, il y a l'EDS. C'est ce qu'il faut comprendre. D'un côté, l'EDS. De l'autre côté, il y a la CDRP. Donc, au sein de la CDRP, il y a le PDCI, il y a le COGEP, il y a le GPS et autres. De l'autre côté, il y a le Fonds Populaire Ivoirien, il y a l'UNG, il y a... Je pense qu'il y a... En tout cas, il y a bien des partis. Excusez-moi pour les partis que je... Les partis dont les noms m'ont échappé, excusez-moi. Voilà, c'est toutefois pas... Je ne cherche pas à les minimiser. Et donc, ensuite, il dit que ces deux plateformes doivent se mettre ensemble, réfléchir et mener des actions communes. Et si il y a lieu de le faire, ces plateformes-là doivent se fondre en une seule plateforme. Voilà ce qu'il a voulu dire que vous n'avez pas compris. En une seule plateforme, et qu'ensemble ces plateformes-là, cette plateforme dans laquelle se sont fondus les autres, doit proposer aux Ivoiriens un contrat social. Mais ça, pour le dire et pour le comprendre, il faut s'effacer. Et Blé Goudé s'est effacé. Mais pourquoi le PDCI n'a rien dit? Pourquoi le FPI n'a rien dit?
Mais le PDCI, le FPI et le RDR, mais les trois grands partis politiques de la Côte d'Ivoire qui sont là. Le PDCI n'a rien dit. Le RDR n'a rien dit. Et du moins, pardon, excusez-moi, puisque le RDR, c'est la RHDP déguisée. Alors, le PDCI n'a rien dit. Le Front Populaire Ivoirien dit rien. Et les autres partis, le leader, ne dit rien. L'UDPCI ne dit absolument rien. Pourquoi c'est Soro Guillaume qui se sent vexé? Pourquoi? Pourquoi c'est Soro Guillaume qui se sent vexé? Chers amis, je vais répondre à cette question. Appelez-les, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que ce que je vais sortir, là, ils vont commencer à mettre les têtes de mort sur le direct. Mettez les cœurs pour ne pas... Parce que vous savez, sur Facebook, quand tu fais un direct, quand il n'y a pas de cœur, lorsqu'il y a un grand nombre de têtes de mort, alors Facebook va bloquer ta vidéo. Donc, appuyez, maintenez longtemps sur le cœur pour ne pas que la vidéo là, elle soit bloquée. Parce que eux, là, c'est des rebelles. Eux, là, c'est des tueurs froids. Quelqu'un qui peut mettre des gens dans des conteneurs pour les étouffer et pour qu'ils en meurent par asphyxie, il est capable de tout. Mettez les cœurs, les camarades. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. Parce que maintenant, là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Voilà ce que Chablé Goudé a dit. Voilà donc ce qui lui vaut aujourd'hui des accusations de la part de Soro Bafori Guillaume, le criminel notoire. Mais Soro Guillaume, je vais d'abord... Soro Guillaume, s'il a une mémoire pernicieuse et sélective, je vais d'abord lui rafraîchir la mémoire avec une vidéo. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Puisque eux, ils parlent de deal. Ils disent que Charles Blégoudé a dealé avec le pouvoir RDR. Mais moi, je veux. Moi, je le mets au défi. Je mets Kibafori, le rebelle, au défi. Et je mets tout sa clique au défi. Puisque hier, il y a eu des gens qui ont dit que Blégoudé a dealé et que c'est Soro Guillaume qui finançait le COGEP. Je veux qu'ils nous sortent la preuve. Puisqu'aujourd'hui, ils disent que Blégoudé et le COGEP, Ahmed Bakayoko et le RDR nous donnent 10 000 euros. Par mois, c'est-à-dire 6 500 000 francs. Alors que hier, on nous disait que c'est, on nous taxait d'être financé par Soro Guillaume. Je mets Soro Guillaume au défi d'étaler les preuves du financement dont on a bénéficié de lui depuis les années 2016. Qu'il étale ça. Là, ils ont l'occasion rêvée de l'étaler. Ils ont l'occasion rêvée de l'étaler. Ils ont là aujourd'hui l'occasion rêvée de l'étaler. Mais ils ne sont pas capables de dire on a financé Blégoudé. Mais ils disent maintenant non, c'est même Bekayoko qui finance Blégoudé. C'est même Bekayoko qui le nourrit. Vous savez, ces gens-là, ils ont un problème. Parce qu'ils ne sont pas capables, intellectuellement parlant, je le dis à qui veut l'entendre. Parce que la raison, là, l'intelligence, elle n'écrit pas. L'intelligence, là, elle argumente. Hier, j'ai vu le jeune homme sous le ou bien quoi, là. Je l'ai vu en train de faire une vidéo, en transpirant, en suffoquant. Non. Cher ami, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Mais la prochaine fois que tu fais une vidéo, achète-toi un antitranspirant. Ça ne coûte même pas 3 000. Mets-le. Même il y a des parfums. Et même quand tu es là, quand tu parles, parce qu'un homme là, lorsque des gens te suivent en direct, l'image, elle parle. Frère, je suis inspecteur manager de profession. Le S que tu vois là, je suis dans une voiture de service. Donc l'image là, elle compte. Quand tu vas vendre un produit, il y a ce qu'on appelle les principes basiques de processus de vente. Dans un processus de vente là, il y a ce qu'on appelle les principes basiques. Et ces principes là obéissent à 3 lettres qu'on appelle le CAP. Caractéristiques, avantages et preuves. Moi j'ai mon produit qu'on appelle Charles Blégoudé. Si je veux le vendre en tant que moi manager formé au management et au processus de vente, sa caractéristique là, je dois la présenter d'abord à celui qui est là. Mais quand moi je prends mon produit Blégoudé là, moi-même qui regarde là, je dois comprendre que ce produit n'a sens sur moi. Quand tu me vois là, je suis en costume, je sors de bureau. Tu comprends? Je sors de bureau. La lettre S que tu vois là, c'est le groupe Samsic. Il est le géant européen. Je ne rentre pas dedans. Ça là, je laisse ça. Tu as dit que Blégoudé t'a mis en mission. Mais tu nous insultes. Quand toi, sur l'eau de Paris, qui traîne dans les bas-fonds de Paris ici, dans les banlieues de Paris, tu peux prétendre que Blégoudé t'a mis en mission. Quand nous là, on est des managers dans des groupes comme Samsic, qui font chiffre d'affaires de plus de 300 milliards par an.
Et nous, on est des inspecteurs. On optimise des chiffres d'affaires de plus de 110 millions par mois. C'est toi là au milieu des blancs, là, la défense. La défense là, c'est comme Abidjan Plateau. C'est toi comme ça, Blé Goudé va mettre en mission. Mais tu nous insultes. Blé Goudé là, c'est une ceinture d'intellectuels qui l'entoure. Vous ne savez pas dans quoi il est. Et vous ne savez pas qui sont ceux qui l'accompagnent. Vous ne savez pas. Par humilité, je ne vais pas se dire la voiture. Sinon, si je sors là, tu vas voir, tout est tagué. Cette voiture là, non, je m'arrête là. Je suis resté là, dans cette voiture là, pour que tu vois cette lettre S. Elle est guidée à l'usine la semaine dernière. Si je te montre le kilométrage, il n'est même pas à 1500. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je te donne le nom de la société où je travaille ici. C'est vous qui allez traîner dans la boue de Paris ici? Dans les égouts de Paris ici? C'est vous comme ça là qui allez nous faire la morale? Toi tu vas dire que Charles Blé Goudé, toi t'as mis en mission, mais tu nous insultes? Blé Goudé qui est entouré par d'agrégés, des docteurs. Ceux que les masters, on n'en parle même pas. Il y a déjà ici que les masters, deux masters, trois, quatre, on n'en parle pas. Nous là, c'est l'intelligence. Babo Lona, quand vous regardez le FPI là, vous ne voyez pas que c'est un grenier d'intellectuels fous. Vous ne le voyez pas? Hein? Blé Goudé là, sa force c'est ça. Ce ne sont pas les armes. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tenir devant nous. Ce ne sont pas les armes. On ne ramasse pas les demi-lettrés pour faire de ces gens-là. Hein? Un pelé, deux tendus. Et les prendre pour dire non, il y a des gens derrière moi. À part les casses des banques. Hein? Lui là, qu'est-ce qu'il représente? Je vais revenir tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vais revenir là tout à l'heure. Et que Ahmed Bagago nous finance à hauteur de 10 000 euros. Ça fait 6 500 000 francs. Frère, je pense que ta chute vertigineuse aux côtés de Ouattara t'a rendu fou. Je t'insulte pas, hein, cher René. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je pense que tu délires un peu trop. À la fois, tu délires et tu fantasmes beaucoup. Je vais t'expliquer pourquoi. Les militants COGEP en France, qu'on a enregistrés, on est 15 000 en France. On paye 10 euros, c'est-à-dire 6 500 francs par mois. 15 000. 15 000. Je vais te montrer comment nous cotisons au COGEP. Mais vous ne savez pas dans quoi nous on est. On est 15 000. En Angleterre, enregistrés, sont 3 000. Ils sont 3 000. Les autres là, je laisse. Les 15 000, quand tu prends, tu multiplies par 10 euros, ça fait 150 000 euros. Ça fait 100 millions. Si Blé Goudé est aujourd'hui en prison, je le dis, et que retenez-le très bien, s'il sort aujourd'hui de la prison, que Blé Goudé, pardon, il sort de la prison, si Blé Goudé demain est candidat à la présidentielle, nous là, militants de COGEP, ce qu'on va cotiser pour lui là, les 50 millions là, ça c'est deux personnes qui vont donner ça. Moi-même au Zoukou, je ne suis absolument rien. Je suis quitté à Lakota chez moi. Je suis SDH de Lakota, je suis quitté chez moi. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 20 enfants orphelins. 3. Leurs parents ont été tués par la rébellion de Sorogium. Je les ai pris 1, 2, 3, 20. Scolarité, plus de 100 000. Les 20 là, j'ai pris la scolarité. Vas-y, mon ami, tu vas voir ça là-bas. C'est plus de 2 millions que j'ai payé. Donc, qui va nous financer? C'est qui va nous financer là? Notre congrès que nous on a fait, qu'on a fait récemment l'année dernière à Abidjan, nous cotisons. On a cotisé plus de 20 millions pour un congrès même qui n'en valait même pas 5 millions. Le reste là, on a mis de côté. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous nous connaissez? C'est ce Guillaume qui vous nourrit avec l'argent volé. C'est lui qui vous nourrit. Ce Guillaume n'est pas un modèle. Ce Guillaume n'est pas quelqu'un qu'on doit suivre. Ce Guillaume, c'est la déchéance morale. Et c'est la faillite morale. C'est la honte de sa génération. C'est la tache noire de notre génération.
Et je te dis, je vous dis pourquoi. Soro, je te dis pourquoi. Soro, je vais te dire pourquoi. Voilà quelqu'un qui prétend avoir des valeurs. Quelqu'un qui dit que nous, il a des valeurs. Lui, Soro Guillaume. On lui dit qu'il a volé l'argent, qu'il a acheté une maison à 1 milliard. Mais Soro Guillaume, quand tu es cohérent avec toi, là, tu dis pas que, mais un tel a volé aussi. Tu dois dire, moi, Soro Guillaume, là, je suis un homme propre. Je n'ai pas volé. Mais on dit, tu as volé. Et toi aussi, tu cherches des voleurs. Non, tel aussi a volé. Alors, c'est la Côte d'Ivoire que tu veux diriger qui est là? Dans le vol? Dans les détournements des biens publics? En dépouillant les pauvres? En dépouillant les pauvres? On te dit, tu as volé. Et tu nous amènes dans la diversion en disant, non, mais moi, la maison que Gbagbo m'a permis d'avoir là, Ouattara me l'a arraché. Mais tu me fais honte. Et même, j'ai honte d'être un Ivoirien. J'ai honte d'appartenir du même pays que toi, Soro. Parce que moi, là où je travaille, au milieu de tous ces blancs, si on dit aux Zoukou, toi là, le secteur que tu gères, toi aux Zoukou là, on se rend compte que tu as volé 3 millions par mois et que l'année ça fait 45 millions là. Moi je leur dis, donnez-moi la preuve. Si on sort la preuve là, moi je dis d'accord, je veux, voilà les preuves que moi je n'ai pas volé. Et je demande clairement qu'il y ait des audits. On met les audits. Quand les audits sont menés et que c'est terminé et que mon image est lavée, je demande clairement qu'on me présente en réunion d'exploitation et qu'à cette réunion là, on me présente des excuses ou bien un comité d'entreprise. Et que devant tout, devant la direction et devant les partenaires sociaux, que mon image soit rétablie et que mon honneur soit lavé. C'est comme ça. Mais on ne dit pas non. Pourquoi? Moi, on dit j'ai volé maison d'un milliard. On dit non, mais l'autre aussi a volé. Soro Guillaume, tu n'es pas un homme de valeur. Écoutez-le. Écoutez Soro Guillaume. Mais l'État interdit en Côte d'Ivoire. Quand Babo est sali à Gueye, il tombe Gueye, parce qu'il fait croire à Gueye, Robert le général. Absolument. Que c'est souhaitable d'éliminer tous les grands candidats. Voilà, les Bédier, Ouattara, tous les candidats sont éliminés. Et Gbagbo lui-même, c'est lui qui qualifie ces élections-là de calamiteuses. Absolument. Donc, il faut bien voir qu'il y a une unanimité, un consensus sur le fait que c'était tout sauf des élections. Les compétiteurs éliminés. Par des artifices juridiques. Ok, voilà. Donc, pour ça, je vais m'arrêter là. Mais quand Soro Guillaume dit que Laurent Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, et que Gbagbo l'aura trompé Gueye Robert, même si on part sur le principe, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez-la. Partagez-la parce que je veux que le chef rebelle là, il puisse entendre ça. Voilà des gens qui étaient dans la rébellion avec leurs amis du Rassi, de Soro Kanigi Mamadou. Le gars sort de la prison, il se lève, il dit non, il est en train de pactiser avec Ouattara. Bien avant ça, ils ont dit que non, ils ont dit Ouattara finance Simon Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Blé Goudé. Mais ce n'est pas Soro Guillaume, le même Soro Guillaume là qui disait, il n'y a même pas encore 4 mois, qui disait que non, si Gbagbo ne veut pas le recevoir à La Haye, et pardon, à Bruxelles, lui, Soro Guillaume, il n'a pas de problème. Parce que de toute façon, c'est Gbagbo Laurent qui est en prison. L'insolence, la condescendance, l'arrogance avec laquelle il part. Voilà ce qu'il est. Mais quand Soro Guillaume dit que Gbagbo Laurent a éliminé tous les compétiteurs pour que lui, Gbagbo, il soit élu, mais Blé Goudé ne veut plus de ça. C'est pour cela qu'il dit, asseyons-nous et réfléchissons ensemble sur d'abord, faisons table rase du passé, mais pour faire table rase sur le passé, là, on s'assoit, on dit, bon, voilà ce qui n'a pas marché hier, à partir d'aujourd'hui, là, on estime ça, désormais, voilà comment il faut fonctionner. C'est ce qu'on appelle fonctionner avec méthodologie. Et ça, quand Blé Goudé le dit, c'est pas insulter quelqu'un. Le PDC, il a compris. Le FPI l'a compris, le MFA l'a compris, l'UDPC l'a compris. Il n'y a que Soro Guillaume qui ne peut pas le comprendre.
Parce que nous, son passé est trop lourd. Parce que lui porte des ambitions. Et lui qui a des ambitions pour lui, on doit les réaliser à l'instant même. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas possible. Mais selon Guillaume, toi, tu étais à Kumasi. Tu as fait un meeting avec Sissé Bakongo. Toi, tu as dit que les âmes là, toi, Soro Guillaume, il fallait ça pour que Gbagbo parte. Et que tu étais en mission à côté de Gbagbo pour l'enrouler dans sa propre farine. Et maintenant que ta mission est terminée, tu retournes dans ta famille qui est le RDR. Ça veut dire que ta mission, c'était de tripatuer les élections. Ta mission là, elle était de tripatouillage électoral. Et effectivement, on te félicite parce que tu l'as réussi. Donc, quand tu l'as réussi, avec tous ces morts, avec ceux que tu as pu tuer par asphyxie dans les conteneurs, avec ceux que tu as même pu éliminer, tes propres amis que tu as exécutés, même dans des enregistrements, tu reconnais, tu fafaronnes, avoir assassiné Désiré Tagro, avoir tué un tel, avoir tué un tel. Blé Goudé n'en veut plus parce que Blé Goudé n'a pas les armes pour faire partie de Ouattara avant le 30 octobre. Donc Blé Goudé dit, asseyons-nous et réfléchissons. Asseyons-nous et discutons. Mais si toi, qui es le maître des armes, le maître de la violence, le maître de la bestialité, tu penses avoir la force et que ton pied dit quelque chose, fais partie de Ouattara, il faut le faire partie. Nous, là, on va te remercier, on va te féliciter. Mais Blé Goudé n'a pas cette capacité. Et l'arme que Blé Goudé a, c'est le dialogue. C'est pour cela que quand tu étais encore rebelle, malgré le sang des Ivoiriens que tu faisais, que tu versais, et que sous tous les médias, Gbagbo Laurent, tu l'insultais, tu nous narguais, tu nous insultais, mais Blé Goudé ne s'est pas empêché, malgré tout, d'accompagner la jeunesse ivoirienne et de dire, je m'en vais à Boaké pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que toi, Soro Guillaume, tout ce qui est la paix, tout ce qui passe par le dialogue, tout ce qui passe par la réflexion, tout ce qui prend du temps pour être mis en place, toi, ça te pose problème. Ça te pose problème, Soro. Écoutez un peu ce qu'il dit à cause de Gbagbo Laurent. On ne peut pas demander la libération de M. Gbagbo quand on sait que ce monsieur est quand même responsable de 3000 morts. J'insiste là-dessus. Ce n'est même pas bon pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons la réconciliation, mais il faut que la justice fasse son travail. Et M. Gbagbo, nous le demandons, doit avoir droit à une justice équitable. Donc, nous disons simplement que M. Gbagbo doit répondre devant ses crimes. On ne peut pas, c'est jamais vu, on ne peut pas demander dans de telles circonstances sa libération. Ce n'est pas possible. Et je l'ai dit à Boaké, je le répète, tout le monde sait très bien que si c'était nous qui étions à la place de Gbagbo, on ne serait même pas en vie pour réclamer une justice ou une quelconque libération. On nous aurait liquidés. Et c'est leur propre terme. Donc, aujourd'hui, notre gouvernement s'est battu et a donné la vie à Gbagbo. On lui offre même les meilleures possibilités d'avoir une justice équitable. Je pense que nos amis du FPI devraient être plutôt humbles. Merci. Est-ce que vous avez entendu la vidéo? Parce que le volume là, il n'est pas trop bon. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Il dit que Gbagbo Laurent, on ne peut pas le libérer. Et qu'il faut qu'il réponde devant la justice. Mais Soro Guillaume, tu as dit qu'il y avait désormais une justice en Côte d'Ivoire. Tu as dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a une justice désormais. Mais quand il y a une justice dans un pays, et quand ce pays te reproche des faits, tu rentres chez toi et tu réponds devant la justice. C'est toi qui demandais à Blé Goudé de sortir de sa cachette pour aller répondre devant la justice. Blé Goudé aujourd'hui, il a été à la haie. Il y a eu un procès. Et le monde entier a reconnu que ce monsieur-là, ses actes parlent en sa faveur. Mais toi, va devant les tribunaux pour que aussi le monde puisse reconnaître que tes actes parlent en ta faveur. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Tu dis que Gbagbo Laurent, là, sa place, c'est en prison. Et nous, on dit, on a compris. Malgré tout ça, la Côte d'Ivoire est notre bien commun. Mettons-nous ensemble. Mais pour se mettre ensemble,
asseyons-nous et discutons ensemble. EDS, CDRP, Voix du Peuple, mettons-nous et discutons ensemble. Soro Guillaume, Charles Blegoudé, Gbagbo Laurent, le président Bédié, le président Gbagbo, tous ces leaders, la première dame Simone Gbagbo, le premier ministre Pascal Afingessa, tout le monde, mettons-nous ensemble et réfléchissons à un contrat social qui puisse être proposé aux Ivoiriens. Est-ce que ça, c'est méchant? Pourquoi tu as tant de problèmes avec tout ce qui est là? Pourquoi toi, tu as un problème avec tout ce qui est là? Tout ce qui met du temps. Toi, tu as un problème avec ça. Pourquoi? Vous savez, Soro Guillaume, il a un problème. Je vais partager une anecdote avec vous. Mais avant d'en arriver là, je vais répondre d'abord à Franklin Yamsi. Vous voyez ces gens-là, ils viennent d'être désavoués par le FPI. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Franklin Yamsi, dans sa vidéo hier, il s'est attaqué à Anne Kélé. Moi, je n'ai pas compris. Blegoudé fait un discours à la haie pendant un meeting. Et tu t'attaques à Anne Kélé qui n'a rien à voir avec la politique du COGEP, qui n'a rien à voir avec le meeting. Une pauvre femme qui était chez elle, avec sa petite famille, qui était dans son week-end là-bas tranquille, qui a fait quelque chose à manger à ses enfants, qui est assise là, qui n'a rien à voir, et tu viens l'attaquer. Et qu'est-ce qu'il va dire? Dans ses mensonges, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que lui, les financements qu'Ahmed Bakayoko et Ouattara donnent au coach Jabé Achal Blegoudé, il détient ces informations-là de ses amis Gore, FPI, qui sont au Ghana. Regardez très bien l'angle d'attaque. Ça veut dire que dans leur entendement, les quatre du FPI qui sont au Ghana sont en conflit avec Blegoudé. Ça, c'est dans leur entendement. Donc, pour eux, pour exister, il faut donc toucher à ce point-là. Et ils sont convaincus que le FPI là ne va pas réagir, malheureusement. Moi, j'ai eu l'information aujourd'hui. Je me suis dit, d'accord, je vais appeler de gauche à droite, je vais appeler nos aînés et je vais recouper l'information. J'ai commencé à appeler. À ma grande surprise, la coordination des cadres du FPI, donc qui est en exil, vient de produire un communiqué dans lequel ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans les déclarations de Franklin Nyamsi, un conseiller de Soro. Le communiqué est signé par Idriss Ouattara. Allez sur sa page, allez regarder partout. Et en photo, tous les cadres du FPI en exil. Voilà ce qu'ils sont. Voilà ce qu'ils sont. Est-ce que des gens comme ça là sont cohérents? Des gens comme ça là, est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de solide avec des gens comme ça? Des gens qui, ça veut dire que, qui créent, qui font un montage, un individu qui pense diriger la Côte d'Ivoire, qui aspire diriger la Côte d'Ivoire comme Soro, qui fait des montages grossiers, il s'en va dire non? Ça sort du Ghana et que c'est Picasso et que c'est Kone Katina qui leur ont dit ça. Et Picasso, Kone Katina, tous ceux qui sont là-bas, tous ces cadres-là se réunissent, font un communiqué pour dire on ne se reconnaît pas dans ce que tu dis. Le communiqué là. Et là, sur le mythe de 10 Ouattara. Voilà. Donc, vous comprenez que ces gens-là, en réalité, ils sont venus casser la famille Probabo. Parce que nous, les Probabo, là, ce qu'ils savent, que peut-être vous ignorez, les amis. On a une force qui leur fait peur. Vous savez, que tu sois COGEP, que tu sois FPI, que tu sois UNG, on fait nos palabres. Ça, on est d'accord avec ça. Mes amis de l'UNG, les Hassan Touho et autres, voilà, au FPI là, nos amis, voilà, ça, on fait nos palabres. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand on a lancé les manifestations de rue, regardez ce qui s'est passé. Regardez les pro-Gbagbo dans les rues. À Divo, à Lakota, à Gagnoa, à Soubré, partout. Ils ont eu peur parce qu'ils se disent, ah, donc les gens ne sont pas divisés. Nous là, quand il s'agit de notre intérêt, il n'y a pas de division, il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas de fissure. On peut en faire nos palabres. Mais quand on dit qu'il s'agit maintenant du retour de Gbagbo, il n'y a plus de fissure.
Blegoudé là. Soro Guillaume. Tu n'as ni fait vieux sous Babo. Blé, tu n'as ni fait vieux sous Babo. Quand Blegoudé a perdu sa soeur, ce ne sont pas des faits qu'on m'a rapportés. Je suis un témoin vivant. Laurent Gbagbo, le président, il a envoyé le docteur Koulibaly Samalik pour lui faire Yako. Je ne dirai pas le montant qu'il a donné. Je ne dirai pas le montant là. Mais de sa prison, c'est-à-dire de là où il est, il a donné plus d'un million. Je ne dirai pas le montant. Par respect pour le président. Et par respect pour la mémoire de l'âme. Pour la mémoire de la défunte, pardon. Tu comprends? Donc nous là, on a cette force. Mais Soro Guillaume, tu es fini. Et je vais te dire comment tu es fini. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de... J'ai ma soeur là, qui a marié à Lakota, on connaît bien cette famille, la famille Karamoko, qui a marié un Odieneka. Et cet Odieneka là, malheureusement, il y a eu un deuil dans la famille. Et on est allé faire les obsèques là à Odiené. Les amis, écoutez très bien. Vous allez comprendre ce qui arrive à Soro Guillaume et pourquoi il tire dans tous les sens. Aïe, 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 aïe. On arrive et j'ai une de mes nièces qui me présente à la famille comme étant un des collaborateurs de Charles Blegoudé. Et parmi les vieux là, il y a d'autres qui disent, ah mais c'est bien, un jeune homme en tout cas, il faut bien tenir, c'est bien, c'est votre génération. Et il y a, quand on finit la cérémonie, il y a un cadre qui s'assoit en boubou. Écoutez très bien. Il s'assoit en boubou au milieu des vieux. Et, non, c'est pas possible. Au milieu des vieux, ce soit un boubou, le boubou que j'aime très bien parce que moi, chez moi, quand il fait chaud, je me mets en boubou. Ça me permet de prendre de l'air. Et il dit au vieux là, vous voyez ce que j'ai porté? Avant là, on pouvait pas porter ça. Aujourd'hui, on porte ça grâce à Ouattara. C'est celui-là que Soro Guillaume aujourd'hui traite de tous les noms. Parce que Blegoudé, lui, il va chercher l'eau pour donner à boire à Gbagbo. Lui, Soro Guillaume insulte Ouattara. Voilà comment cet enfant nous remercie. Voilà l'argument que eux ils prennent au nord aujourd'hui là pour tuer Soro Guillaume à petit feu, politiquement. Et il sait que cette base-là, elle l'a lâché. Pendant que Charles Blegoudé, il faut qu'on le dise, Charles Blegoudé a une base intacte. Parce que demain, Charles Blegoudé est candidat. Et que FBI, tout le monde, peu importe, on se met d'accord là. Ils savent qu'il y a une base intacte qui est là. Mais au RDL là, parce que lui, il a cité Ouattara là, il ne peut pas lui pardonner ça. Et ça lui fait mal. Et ça le ronge. Donc il pense surfer sur une division des pro-Gbagbo en disant telle chose, en lançant tel montage grossier. Et il pense que nous là, voilà, le FPI va dire bon, Blegoudé, allez, aujourd'hui, on lui fait la guerre, ou bien demain, les quatre de FPI, ils n'allaient pas réagir. Voilà, ils ont fait une déclaration. Toute honte pue. Soro, le criminel générationnel, voilà, il vient d'être lâché. Même pas lâché, mais il vient d'être discrédité encore par la coalition du FPI, des cadres du FPI en exil. Ce genre d'individu-là, où se trouve leur cohérence? Où se trouve leur cohérence? Soro Guillaume n'est pas un modèle. Donc, tu comprends que même quand tu as lancé, regarde, tes propres amis, Soro Kanigi Mamadou, quelqu'un qui s'est battu pour toi, un handicapé, je ne cite pas, hein, c'est mon aîné, je le respecte beaucoup, un handicapé, c'est pas un crime. Mais un handicapé, il y a un minimum de respect dans le traitement d'un handicapé. C'est pourquoi même en Europe, là, quand tu embauches un handicapé, on te réduit les impôts. C'est ce qu'on appelle l'allègement fiscal. Quand vous avez un contrat cadre ou un contrat hors cadre avec une entreprise ou avec même l'État, lorsqu'il y a l'appel d'offres et que vous partez postuler pour l'appel d'offres, on vous demande de présenter votre plan d'embauche des handicapés. Donc, eux, ils sont une priorité. Dans le domaine commercial, ils
ils sont une priorité. Et même dans la vie de tous les jours, ils sont une priorité. Sur le Kanik Mamadou, on le prend, on le traîne. Je serai on le met en prison. Quand le monsieur sort de la prison, là, Chris Yapi dit qu'il a dealé avec Ouattara. Mais regardez des gens comme ça. Regardez des gens, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, leurs propres camarades de lutte, ils n'ont aucun sentiment pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont même prêts à les liquider. D'abord, ils ont commencé avec Souman Gbagbo. Non, Ouattara la finance. C'est Ouattara qui la finance. Ouattara finance Souman Gbagbo. Mais quand la dame a allumé, elle a tapé sur le RDL, là, sur ta gueule, ils ont laissé ça. Maintenant, ils sont sur eux-mêmes, leurs propres amis. Sur le Kaniki Mamadou. Parce qu'il est quitté en prison. Mais prison, c'est bon, la souris, mais il faut aller là-bas. Ton frère, là, quand il bouffait l'argent, là, il faisait les arrogants, là. Toi, tu penses que c'était avec nous qu'il bouffait l'argent, là? Hein? Tu viens, tu plaides mon frère en prison. Nous, on a qu'à faire quoi avec ça? Nous, là, toi, ton frère, il est en prison, il vit. Nous, là, pour nous, là, ils ont tué ça. Tu as tué ça. Je viens de payer la scolarité des orphelins que toi, tu as tué. Tu as tué leurs parents. Sur mon mur, là, leurs noms sont là-bas. Dans l'Isse, plus leur village, des orphelins, dont les parents ont été assassinés froidement, sont là. Ils sont là. Mon frère, il est en prison. On a qu'à faire quoi, ton frère? D'accord, ton frère, il est en prison. Ok, moi, je condamne le fait qu'un innocent, qu'on mette quelqu'un en prison, parce qu'il a des liens biologiques avec quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Je suis contre ça. Il peut pas payer à ta place. Parce qu'il s'appelle Soro, qu'il faut le mettre en prison. Et ça, je suis pas d'accord. Tu comprends? Mais faut pas nous rabâcher les oreilles pour ça. Mais Soro, Babou, a toute sa famille, là, t'as ramassé pour mettre en prison. Là, Michel, là, de malheur. Et Michel, son plus gros malheur avec toi, là, c'est qu'il est l'enfant de Babou. Simone Gbagbo, tu te réjouissais? Tu te réjouissais? Tu comprends? Tu te réjouissais de tout ça? Tu comprends ce que je veux dire? En 2007, il y a eu l'accord de Ouagadougou. Tu as bénéficié de milliards. Tu devais désarmer. Tu n'as pas désarmé. On t'a fait confiance. On a nos élections. Mais quand on a fini et que tu es allé rejoindre Ouattara, tu as fait une déclaration à Kumasi pour dire que toi, Soro Guillaume, tu étais en mission à côté de Ouattara, à côté de Gbagbo, pour l'enrouler dans sa propre farine. Et que désormais, tu retournes dans ta maison qui est le RDR. Ta maison là. Il y a quoi là-bas, puis tu es quitté là-bas. Mais Soro, tu peux... La vidéo essaie de se couper. Mais Soro, tu peux pas nous... Tu ne peux pas... Soro, toi, tu es nous là. Il n'y a pas de roi. Le meeting qui s'est déroulé à Nono le samedi dernier, sur le Guillaume, ce meeting avait qu'il n'ait lieu, Charles Blé Goudé a convoqué une réunion du Conseil exécutif national. Ce ne sont pas des faits qu'on m'a rapporté, puisque moi-même, là, je suis secrétaire général adjoint. Il y a eu un débat houleux. Il y a eu un débat contradictoire. Lui-même, là, sa position, d'autres n'étaient pas d'accord avec ça. On a voté. Et c'est comme ça, ça a été arrêté. C'est le résultat qui est là. Quand le Kojet devait devenir parti politique, lui-même, Blé Goudé, là, il était hésitant. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit on devient parti politique. Et parce que je l'ai fait, je l'assume. Chaque année, là, je vais 3 fois en Côte d'Ivoire pour installer le Kojet, pour chez moi, pour faire des actions sociales. Toi, là-haut, tu as été rebelle au Nord. Et puis, Soro, je vais te rappeler un fait. Tu as été rebelle au Nord, là. Il y a quelle école que tu as construite là-bas, toi? Tu avais quelle maternité là-bas? Mais Blé Goudé, c'est de ça qu'il parle. Parce qu'il dit que le peuple ivoirien là ne doit plus mériter ça. Tu peux nous insulter pour nous dire qu'Ahmed Bagayoko nous donne 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quoi? Mais c'est Blé Goudé a besoin de 10 000 euros là. Mon frère. Oh, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, faut pas faire, on va parler. Faut pas faire ça. Tiens, grand frère, faut pas faire ça. 10 000 euros là, c'est quoi? C'est l'argent. Ça fait 6 500 000. Ouais. Quand on est cadre quand même en France,
à Paris, quand on est cadre à Londres, 10 000 euros, avec ton statut de cadre, une banque ne peut pas te refuser ça. Blogde n'est pas 10 000 euros près. Tous ces cadres qui l'entourent, en Côte d'Ivoire, qui sont dans les régies financières, qui sont des opérateurs économiques, des gens qui ont des sociétés qui l'entourent, ces jeunes qui hier étaient encore des étudiants, qui aujourd'hui sont des cadres, qui aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, là, qui sont dans les catégories supérieures, aux États-Unis, partout, en France ici, 10 000 euros? Mais arrêtez! Mais tu fantasmes, mais tu délies! Sœur Guillaume, tu délies! Mais en fait, mais tu as perdu la tête! Mais je ne sais pas si c'est le sang humain qui te manque, qui te monte au cerveau! Mais tu as perdu la tête, tu délies! Tu fantasmes trop! Voilà! Blé Goudé là, c'est notre fétiche! C'est notre fétiche! Si tu touches à Blé Goudé, nous là, on va te mettre dans la boue! On va te mettre dans la boue! Et on va te laver avec la boue. Et il n'y aura pas de retenue. Et la vidéo qu'elle fait là, ça peut ne pas plaire à Blé Goudé. Hein. Mais aujourd'hui là, pour parler comme quelqu'un, je vais lui déshabiller un peu. Ouais, ouais. On va faire ça, hein. Aimé Kouhou. On va faire ça. Aimé Kouhou là, il est le représentant. Hé, Soro. Aimé Kouhou là, il est le représentant du COGEP aux Pays-Bas. Hein. Il est chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise. Voiture roule dedans là. C'est pas moins de 20 millions. Faut pas faire ça. Hein. Le est-ce que tu vois derrière, on appelle ça Samsi. Je suis inspecteur manager. Je n'ai pas grand chose. Mais ça là, nous on peut encore trouver ça pour donner à notre vidéo. Hé, faut pas faire ça. Soro, nous là, on casse pas BCAO. On cotise 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Puis on paye les bureaux de notre chef. On paye sa nourriture. On paye tout. On lui dit, tu as besoin de quoi encore? Il dit, non, rien. On dit, non, tu as besoin encore. On va te donner. Faut entasser dans ta maison là-bas. Et puis on donne, puis on l'appelle encore. Chef, tu as besoin de quoi? Il était en prison là. Tous les week-ends, nous, on était là-bas. Tous les week-ends que Dieu fait là, nous, on était assis là-bas. Sur le de Paris. Tu dis que Blé Goudé t'a demandé à toi de venir le voir. Hé, petit, moi, au Zoukou là, je suis là. Devant Blé Goudé, je suis rien. Mais devant moi là, devant moi, Ozoukou, là, tu n'existes même pas. Tu es tout insignifiant sur tous les plans, à l'exception de comment tu es l'homme. Comment tu es l'homme, là? C'est ça que moi, je ne connais pas. C'est ça, là, que toi, tu peux me damer le pion là-bas. Ça ne m'intéresse même pas. Eh ben, dis, tu ne peux pas? Toi, là, tu es à Paris, non? Tu connais la défense. Va, il faut demander. Sam si Paris, la défense. Tu n'as même pas les capacités intellectuelles même pour être même dans le... Tu... Non! Tu parles de quoi, là? Toi, tu parles de quoi? Tu dis que Blé Goudé, toi, t'as appelé pour te mettre en mission? Toi, tu peux faire une mission de Blé Goudé? Toi, tu peux aligner une phrase. Hein? Sans commettre un attentat des règles de l'orthographe? Des règles grammaticales, toi? Toi, tu peux? On va t'envoyer en mission, toi, tu vas dire quoi là-bas? Toi, on va t'envoyer en mission, là, tu vas dire quoi là-bas? Blé Goudé va t'envoyer en mission de quoi? Pour aller tuer l'homme? Mais si c'est pour tuer l'homme, là, tu mens. Parce que Blé Goudé, c'est pas sa nature. C'est pas sa nature. Tu comprends? Donc, toi, normalement, là, quand on parle de on envoie les gens en mission, là, hé, toi, tu dois rester loin. C'est pas toi qui traîne dans les bas-fonds ici, là, dans les banlieues de Paris, dans les bas-fonds là. C'est pas toi, là, qui devrais avoir une mission. Toi, tu représentes quoi? Pourquoi d'avoir une mission? Parce que tu vocifères, parce que tu suffoques tous les réseaux sociaux. Parce que tu suffoques. Je vous mets au défi. L'argent que vous dites, que les gens disaient que Blé Goudé recevait de Soro en 2016, là. Envoyez-nous les preuves, là. Nous, on est prêts. Nous, là, on est prêts. Envoyez-nous les preuves là. Nous, on est prêts. Envoyez-nous les preuves là. Vous pensez que parce que vous criez sur Facebook, vous pensez que vous avez le monopole. Le monopole de la vérité. Le monopole. Nous là, on ne gueule pas. Nous, on argumente. Nous, on raisonne. Et nous, on amène l'esprit à se pencher de notre côté. Parce que seul l'esprit peut comprendre les choses de l'esprit. La chair là,
Elle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et vous, vous ne réfléchissez que par les biceps, par les muscles. Donc vous ne pouvez pas comprendre les choses de l'esprit. Or, nous là, nous sommes dans ce qu'on appelle la rationalité. Et vous là, vous êtes dans ce qu'on appelle la barbarie. Donc, il y a le bas de l'échelle et il y a le sommet de l'échelle. On est diamétralement opposés. Il n'y a pas. On est diamétralement opposés. Tu comprends? Sous les débaris. Peut-être que toi et moi, on a le même âge. Ou peut-être que tu es mon grand-père, peut-être. Mais sous les, je te dis en France ici, là. Si on dit demain, venez, on va faire un débat. Sur même, ça veut dire que sur le fonctionnement de la vie active, là. Tu es encore au stade embryonnaire. Tu n'es même pas encore né. Tu n'es même pas encore né. Nous, là, on rentre en réunion d'exploitation. Et on parle au milieu des blancs. On dit, bon, ça, c'est bon, on retient ça. Tu connais Bein Sport, la chaîne sportive, là. Ils vont amener à parler. Hein. Ta mère, là, si tu veux demain, donne rendez-vous. Ta mère, là, je la prends et puis tu vas rentrer là-bas. Faut te calmer. Faut te calmer. Quand vous parlez de blé boudé, là, calmez-vous. Parce que ceux qui vous envoient, là, ils ont commencé avant vous. Ils savent qui nous sommes. Ils savent qui là nous sommes. Donc vous ne savez pas qui nous sommes. Vous comprenez? Vous voulez qu'on parle? Mais dites à Soro. Mais Soro avait posé la question. Qu'on a dit là, pourquoi Ouattara là? Il était le premier à être enlevé dans le gouvernement de Ouattara. Il était dans la filière avec Agaouno Soubabo, non? Pourtant c'était un rebelle. C'était quoi sa mission? C'était quoi sa mission? Moi, je n'ai pas parlé, je vous pose la question. Ce que vous a dit. Et ce que Guillaume, là, est-ce que vous le connaissez? Parce que nous, on le connaît. Hein? Nous, on le connaît plus que vous. Attention. Hein? Nous, là, ce que Guillaume, là, nous, on le connaît mieux que vous depuis étudiant. Ce qu'a la rébellion, gouvernement, le Gbagbo, là, on sait ce qu'il a fait dedans. On sait pourquoi Ouattara, là, il a enlevé le Konaté Zié, là. Vous comprenez? Si vous tapez nos ventes, là, Caraba, ça va enlever. Tu vas vomir. Mais quand on va vomir, là, c'est pas bon pour vous. Quand on va vomir, là, ceux qui sont passés avant vous, là, quand on a vomi, là, ils ont disparu à jamais. Quand on va vomir, là, c'est pas bon pour vous. Konaté Zié, il était dans la filière avec Cacao. Sous Gbagbo, mais sous le président Gbagbo, pardon. Les gars, excusez-moi. Sous le président Gbagbo, là, il était dans la filière avec Cacao. Le poumon de l'économie ivoirienne, le binôme. Mon ami, tu sais ce qu'on appelle être dans la filière avec Cacao? Tu sais ce que c'est? Tu sais pas. Mais lui, rebelle là. Lui, rebelle. Qu'est-ce qu'il a marchandé pour. Et puis il est rentré dedans. Avec l'accord de Soro Guillaume. Le seul rebelle qui peut parler. L'ancien rebelle hier, qui peut parler aujourd'hui là. C'est Soro Kanigi. Il est le seul qui n'est pas rentré dans ça là. Selon vous tous là, vos bouches là, il y a huile dessus. Vos bouches là, il y a huile dessus. Donc si vous voulez, moi au Zoukou, je vous dis, organisons un direct. Nous on ne parle pas au hasard. Preuve contre preuve. Hey, nous on va sortir les preuves. Au Cogep là, nous on ne tape pas poteau. Au Cogep là, on n'attaque jamais. Au Cogep, tu nous attaques là, tu recules. Quand j'aime nous là, tu nous attaques là, tu travailles, on enlève, on dépose. Et puis on se met à Magan. Puis toi tu dis tu frappes, non, tu frappes pas à petit. Demande à Soro Guillaume. Demande à Soro Guillaume. Qu'on a tes yeux là. Et les autres là, ils faisaient quoi? Dans la filière avec Cacao, au temps du président Gbagbo là, ils faisaient quoi dedans? Il dit Gbagbo lui a donné maison. Ah bon? On donne maison à rebelle. Mais maison là-haut. Ça veut dire qu'il y a eu échange, non? Lui il a donné quoi? Hey, vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez vraiment qu'on parle? J'ai dit, vous dites qu'Ahmed Bakayoko finance Cogep, non? Qui finance Blé Boudé, non? Moi, je dis, il n'a qu'à vous donner, parce que quand tu vas déposer, c'est un chèque. Quand on donne un chèque, il y a ce qu'on appelle la remise de chèque. Donc, il y a deux coupons. Il y a le coupon qui reste avec la banque, et il y a le coupon que toi, tu as, toi le client là, tu as. Donc, c'est que lui qui t'a donné l'information là, il a le coupon avec le numéro de compte, c'est-à-dire le RIB, voilà le code de la banque, plus le numéro de compte, avec la clé. Donc, il n'a qu'à donner.
Ils n'ont qu'à donner. Nous, on dit, on veut ça. Parce que, hé, ma vidéo qui est là, un seul soroïs là, il n'a qu'à répondre à ça. Passer à une autre vitesse. Moi, je vais doubler la vitesse là trois fois. Mais c'est-à-dire, je vais vous laisser, non? Je vais pédaler Soro. Il va pas croire. Il va pas croire. Maison là. C'était quoi l'échange? Son avion là. Quand ce gars était bombardé, malheureusement, je m'incline devant la mémoire des victimes. Avion là, on lui reprochait quoi? Il mangeait pas? Soro là, il mangeait pas? Il n'était pas rassasié? Hein? Est-ce qu'il pensait à quoi la rébellion? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Ouattara, c'est que Soro Guillaume n'est pas crédible. Hé, petit. Soro Guillaume là. Soro Guillaume là. Oh, faut pas faire ça, jeune homme politique. Mon ventre là est profond. Je tape ça. Je retiens mon ventre. Faut pas faire ça. Parce que quand je vais parler là, je vais mettre preuve derrière. C'est pas bon. Quand je vais parler là, hé, hey, il y a un qui dit aussi planté. Il dit comment je vais parler là. On nous connaît que je vais faire suivre la preuve. C'est pas bon. Mais quand vous dites que Blaise Goudé a même Bakako le finance et qu'il finance le COGEP, moi je vous dis, allez-y envoyer la remise de chèque. Si c'est un virement, allez-y imprimer le relevé, allez-y imprimer le relevé de compte. Comme ça, on sait, c'est parti sur quel compte, où ça a été financé. Parce qu'aujourd'hui là, tout a des traces. Moi, je vous dis ça. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord là, si vous n'êtes pas capable de le faire, dites, ok, on n'est pas capable. Ok, ça, on a compris. Maintenant, allons-y maintenant donner ce qu'on appelle les preuves. Mais moi, je dis, Zie Konaté là, l'argent est prêt de la fille Kakao là. Il donnait ça à qui? Il était le prêtre nom de qui? Hein? Il était le prêtre nom de qui? Hé, hey, mon frère Titi Ravine me dit de le laisser. Je suis un homme politique, je ne vais pas aller loin. Mais je vous mets en garde. Les amis, je vous mets en garde. En tout cas, bien se mettre d'accord. Je vous mets en garde. Quiconque va s'aventurer sur le terrain de répondre à cette vidéo, ce qui va venir derrière, ça, c'est au risque et péril de Soro Guillaume. Parce qu'il n'aura pas de retenue. Blaise Goudé là, c'est notre fétiche. Soro Guillaume là n'est pas notre roi. Si chez vous, c'est la pensée unique, nous chez nous là, notre président là, quand il devait recevoir Soro Guillaume là, mais nous là, il nous a consulté. Mais il y en a plein qui disent on ne veut pas. Et il a eu un débat. Et c'est à la suite de ce débat là que Blaise Goudé a décidé, mon chef, mon leader, l'homme pour qui mon sang coule là, il a dit bon, je le reçois. Et nous, la Blaise Goudé, on le vénère. Nous, on le vénère. Ça dit, côté cravate là, je laisse ça maintenant. Nous, là, on le vénère même. Ça dit, moi, quand je le vois comme ça là, je deviens fou. Ah! On dit, le pays brûle. Moi, il paie bien l'avion. Je suis quitté à Abidjan là, en septembre là. Je laisse aller mes parents de Divo, où il y a eu les morts. Peut-être chez moi. Ça y est, sur mon mur, j'ai fait des actions sociales. On pouvait me tuer là-bas. Hé, hey, pour Bréa, nous, on est prêts. Vous ne savez pas ça, hein? Vous ne savez pas ça. Pendant que vous, là, vous accusez vos amis, les Soro Kanigi, quelqu'un qui quitte en prison. Il est quitté en prison. Il est quitté en prison. Le gars, on l'a mis en prison à cause de Soro Guillaume. Il sort de la prison. Vous dites qu'il a pactisé avec le pouvoir de Ouattara. Est-ce que Soro Guillaume, là, est-ce qu'il a un cœur? Est-ce que Soro Guillaume, là, mais regardez le désert qui se crée autour de lui. Regardez comment les gens le quittent. Regardez comment les gens l'abandonnent. Si Soro Guillaume n'a pas un problème avec un problème de gestion des hommes, s'il n'a pas un problème d'humilité, s'il n'a pas un problème de cohérence, là, un homme comme ça, là, comment tous amis peuvent le quitter? Regardez. Et ça ne vous interpelle pas. Ça ne te met pas sur le Guillaume. Mais aujourd'hui, il est isolé. Aujourd'hui, même quelqu'un pour aller dans sa zone pour dire
pour dire non, moi, je suis Soro Guillaume là. C'est un combat avec sa propre conscience. C'est un combat avec sa propre conscience. Je vais m'arrêter là. Les amis, je vais m'arrêter là. Et j'espère que, pour me résumer, j'espère que le bon sens va les animer. Donc voilà, pour me résumer, Fragrance MC de Soro Guillaume a fait une vidéo hier dans laquelle il disait que Annie Kelly, il attaquait Annie Kelly, je n'ai pas compris. Il a quitté là, il dit que le FPI et que les quatre du FPI qui sont Fragrance MC, là, il est le conseil de Soro Guillaume. Il dit que c'est lui qui disait que Simone Gbagbo, elle méritait la prison. Et que c'est parce que Ouattara est gentil. Sur une femme comme Simone Gbagbo là, on doit la pendre. C'est lui qui disait ça. Il dit, dans une vidéo hier, il dit que les quatre du FPI qui sont au Ghana, ce sont eux qui ont dit qu'Ahmed Bakayoko finance Blé Boudé à hauteur de 6 500 000 francs CFA par mois. C'est lui qui disait ça. Et donc, aujourd'hui, la coordination des quatre du FPI en exil vient de produire une déclaration pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette dire. Vient de le désavouer. Voilà. Voilà ce qu'ils sont. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Soro Guillaume en veut à Charles Blé Goudé parce que dans son projet fou d'accession à l'exécutif, il a voulu faire du Kojov sa remorque. Sauf que nous, on dit qu'on n'est pas remorque d'un rebelle. Ça lui pose un problème. C'est Soro Guillaume qui est demandeur de la visite à Charles Blé Goudé. Blé Goudé n'en est pas demandeur. Ça en est de deux. Et de trois, ces gens-là, depuis, ils disent que Simone Gbagbo, d'abord la première dame, ils l'ont accusé par un certain Chris Yapi, comme quoi Ouattara la finançait. Ils voient que la femme, ça s'est sorti son musclé vis-à-vis de Ouattara. Ils sont revenus sur leur propre camarade Soro Kanigi. Ensuite, aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé. Demain, ça sera qui? Demain, là, ça sera qui? J'espère que le bon sens va vous animer. Je vais m'arrêter là. Chers amis, ce samedi, le 10 octobre, il y a la grande manifestation de l'opposition à Abidjan. La grande manifestation de l'opposition à Abidjan. Que vous soyez du COGEP, que vous soyez du FPI, que vous soyez du PDCIRDA, que vous soyez de l'UDPCI, que peu importe votre bord politique, peu importe vos convictions politiques, allons tous à cette manifestation. Allons tous à cette manifestation-là pour barrer la voie à la dictature, pour dire non à la dictature, pour dire non à la dictature. Même si des gens comme Soro, lui-même il a dit qu'il avait fait un deal avec Ouattara. Parce que Ouattara avait dit qu'il allait lui passer la main. Donc aujourd'hui, le deal n'a pas été respecté par Ouattara. Alors c'est pour cette raison que lui, il a quitté Ouattara. Quand il est au nord, il dit non, on lui a arraché le tabouret. Parce qu'il veut se poser en victime. Quand il sort du nord de Côte d'Ivoire, il dit non, Ouattara, c'est moi qui l'ai laissé. Un individu incohérent avec sa propre personne. Un individu en conflit avec sa propre conscience. C'est-à-dire, tantôt il est lucide, tantôt il fait preuve de mémoire pernicieuse et sélective. Tantôt il est son père est Gbagbo. Hier, son père était Gbagbo. Après, son père, c'est Ouattara. Son père, c'est Bédier. Lui seul, là, il a tous les papas du monde. Tant l'individu est pressé pour forcément arriver au pouvoir. Chers amis, ne nous laissons pas distraire par ces griots de désert. Par ces griots de désert-là qui oublient leur passé. Restons concentrés. Parce que nos nouveaux amis, ils pensent que c'est en opposant le FPI et le COGEP qui peuvent avoir de la place pour exister dans l'espace parisien. Qui peuvent avoir de la place pour se faire aimer par le FPI. Mais ils oublient qu'ils ont massacré des cadres du FPI. Ils ont oublié Guy Trozon. Ils ont oublié tout l'Ouest. Ils ont oublié que nous, là, ça fait des années, on est dans les rues pour Gbagbo Lora, pour Charles Blé Goudé. Vous ne pouvez pas nous diviser. Vous venez d'arriver. Quand on vient d'arriver, là, on se calme. On se calme. On se maîtrise. Nos nouveaux amis. Voilà donc ce que je tenais à leur dire. Et je tenais aussi à leur rappeler qu'en 2018, c'est le COGEP qui est allé vers le PDCI. Les photos sont là. Et qui a dit au président Bédier, réfléchissons à une coalition.
Donc, on ne peut pas venir nous dédier. On ne peut pas se dédier. Quand nous partait vers le président Bédier, là, ce gars là, il mangeait à quoi avec Ouattara? Il mangeait à quoi avec Ouattara? Quand nous partait vers le président Bédier, et ce gars disait que dans ce pays-là, on n'a qu'à se respecter. Parce que ce que Ouattara a fait là, personne ne peut faire ça dans ce pays. Mais alors, il est comptable du bilan de Ouattara. Pourquoi voulez-vous vous dédouaner de ce bilan-là? Il est comptable du bilan d'Alassane Ouattara. Est-ce que nous parlait des prisonniers? Au contraire, il disait qu'il fallait que les gens quittent au Ghana et qu'ils viennent. Et que Mme Gbagbo, là, elle méritait là où elle est. Et que Gbagbo, il était mieux là où il est. Je vous ai montré la vidéo tout de suite. Alors, vous nous parlez de quoi là? Alors les amis, je vous souhaite donc une agréable soirée. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Je salue tout le monde. Et puis rendez-vous le 10 octobre au grand meeting d'Abidjan. Merci. Et puis Dieu garde la Côte d'Ivoire. Dieu garde le président Gbagbo Laurent. Dieu garde Michel Ablé Goudé. Dieu garde tous les Ivoiriens. J'aime tous les pro-Gbagbo. On est ensemble. Quand il s'agit de notre bien là. Il n'y a pas d'UDPC, il n'y a pas COGEP, il n'y a pas FPI, il n'y a pas UNG. Nous là, c'est le boing. Je salue le boing. Je vous salue et je vous adore. On est ensemble les gars. Les opportunistes ne peuvent pas nous distraire. Nous là, on est un. Ils ont vu ce qui s'est passé dans les manifestations. Il n'y avait plus COGEP. Nous là, c'est comme ça on est. L'esprit Gbagbo, c'est ça. Ceux qui pensent qu'ils seraient venus pour nous là, ils se trompent. Ils se trompent. Soro, il a son objectif. Nous là, on peut pas lui servir d'échelle. On est ensemble les gars. Je vous dis ciao. Les enfants là sont trop petits. C'est un petit coup. On est ensemble. Ciao.